Allez, voilà, merci de partout. Vous êtes bien sûr en train de nous suivre. Nous vous disons merci beaucoup. Alors, après, bien sûr, plusieurs autres grâces, nous étions ici avec le frère Al-Kambumba, nous étions avec le pasteur Mike Flore, nous étions avec, bien sûr, le pasteur Henri Papa, nous étions avec le pasteur Mike Alambay, le révérend Roussit Ngoï Mandakou, avec l'émission qui a circulé presque partout. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec une autre étoile de la République démocratique du Congo. Lui, c'est l'adorateur Fiston Mbuyi, à qui j'ai dit bienvenue chez nous à Kolwezi. Merci beaucoup. Ça fait quand même déjà un petit temps que vous n'êtes pas passé par Kolwezi. Comment vous trouvez Kolwezi? Peut-être parce que vous êtes venu la nuit, ainsi de suite, tout ça. Mais votre aperçu en général? Je me considère chez moi, donc je suis chez moi. De toute façon, je ne me considère même pas, je suis chez moi. Donc c'est tout simplement un vrai plaisir de revenir à Kolwezi après, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, quelque chose depuis la dernière fois. Et maintenant on est là aujourd'hui et je suis très content d'être là. Allez voilà, Gospel Music vous reçoit aujourd'hui. Nous allons partir dans plusieurs angles parce que vous avez tellement un agenda costaud. Exactement. On ne saura pas tout t'épingler. Je voudrais qu'on commence d'abord par le début. Vous aviez commencé comment et comment vous êtes arrivé à voir ces noms? Merci pour la question. Avant tout, je voudrais commencer par saluer tous ceux qui nous regardent chez eux. À partir de leur maison. Bon dimanche, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Alors, pour répondre très brièvement à ta question, je dirais que le Seigneur a commencé avec nous il y a vraiment des années, il y a très très longtemps. Je me rappelle qu'en 2000, donc les années 2000, c'est exactement là que je suis allé m'enregistrer dans une chorale de l'église La Louange à Kinshasa, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi La Louange ici à Lubumbashi, un peu partout. Donc, le revend pasteur Ngalassi. Je suis allé à La Louange pour m'enregistrer dans une chorale qui s'appelait Les Archanges à l'époque. Donc, c'est là pour moi que tout a commencé, parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à vivre la musique. C'est par là que j'ai commencé. Mais avant, j'ai chanté, mais je chantais que chez moi, à la maison et tout ça, en famille. Et d'autant plus que nous sommes, je suis d'une famille chrétienne. Après, nous sommes allés, je suis allé à la chorale. Après la chorale, j'ai quand même acquis quelques expériences. Et puis après la chorale, j'ai quitté la chorale en 2000, je pense 2004-2005, pour aller dans un groupe indépendant qui était à l'extérieur, hors église, qui s'appelait Maïcha. Et c'est là que je me suis formé, je me suis vraiment forgé comme chanteur. Et parce que bon, j'aimais beaucoup le style, c'était un peu le style le folk, l'ouba et tout ça, avec le président, un frère qui s'appelait, mon président à l'époque qui s'appelait Jires Niembo. Et c'est comme ça que les choses se sont passées, j'ai vraiment appris. Après j'ai aussi travaillé avec le frère Enoch Ebadou, et je rappelle que j'ai gagné pas mal de concours pendant mon parcours, des quartiers, des concours de ceci, cela, et j'étais même... en fait, j'avais même gagné le concours du jingle de la radio Okapi à l'époque. Okay. Radio Okapi, Okapi. Et oh, c'était vous. En fait, on avait gagné ce jingle-là pour refaire et on a fait différemment. Et c'est moi qui chante Okapi. Ok. Votre radio. Donc, c'est en 2000, je sais pas, 2007, quelque chose qu'on avait, fait cela. Et il y a pas mal de choses qu'on a remportées. La première édition du festival Gospel à Kinshasa. Nous avons été gagnés dans la catégorie folk. Et vraiment, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je vous coupe pas. Donc, au départ, vous étiez déjà dans l'église. Vous chantiez déjà dans l'église. Exactement. À cette époque-là, j'étais dans l'église. C'est quoi? Je suis d'une famille chrétienne. C'est quoi cette histoire où les Congolais vous collent, que vous faisiez la musique dite profane? Non, mais on ne me colle pas. C'est effectivement ce qui s'est passé. On me colle plutôt autre chose. Ouais. On me colle plutôt autre chose. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'en 2010, après le concours que vous connaissez... Oui. Pour ne pas citer... Donc, question des publicités. Voilà, exactement. Donc, après 2010, les choses ont un peu changé. Oui. Dans le sens où, après, c'est vrai que je n'avais pas assez de maturité pour comprendre les choses de la même manière qu'aujourd'hui. Oui. Et voilà, j'étais un peu emballé parce que, juste quand je suis allé dans le concours, malheureusement, pour moi, j'avais vraiment le soutien total de mon pasteur qui m'avait dit, bon, tu peux aller dans le concours. Bon, ce qui est fait, c'est que je n'aime pas trop parler de ces histoires encore, mais bon, je serais obligé de faire comprendre à certaines personnes qui, je pense, le savent déjà, mais on va le faire. Donc, je suis allé dans ce concours Superstar. Après ce concours-là,
Je me suis un peu lancé dans la musique profane. Mmh. Dans la musique profane parce que il y avait plusieurs raisons. Il y avait plusieurs raisons qui, autour de moi, je n'étais entouré que de ces gens-là. Il y avait pas mal de raisons. Et ça fait quand même 12, ça fera 12 ans bientôt. Et il y avait un peu moins de maturité qu'aujourd'hui, compréhension des choses de Dieu qu'aujourd'hui. Même si avant on le faisait, mais vous savez, dans la marche avec Dieu, le plus important, c'est acquérir de la maturité pour vivre dans la voie de Dieu. Donc, chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais avant, c'était pas facile et je me suis lancé un peu dans le gospel, parce que, plutôt dans le profane, parce que j'avais l'impression d'être jugé par le chrétien. J'avais l'impression d'être rejeté par le chrétien à l'époque, sans savoir à l'époque qu'on ne vit pas pour les gens. Ouais. On ne fait rien pour les gens. Ouais. En fait, on n'est pas chrétien pour les chrétiens. Ouais. Le chrétien pour Dieu. Alors, pour Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie sur la croix. Donc, après, par un peu colère, par un peu sentiment mélangé, je me suis dit, bon, ok, non, et tout ça. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. 2 ans après, le Seigneur okay. m'a rappelé. Le Seigneur vous a ramené. C'est ouais. quoi la chanson ou c'est quoi le concert ou la chanson qui vous a fait accepter directement dans le monde gospel à nouveau? Bon, je crois que je vais dire tout de suite, pour pas prendre de temps, Yaya. Okay. Yaya, parce que après cette étape un peu sombre, que je considère sombre mais bénéfique pour moi, de ma vie, il s'est fait que je suis allé à Goma pendant un moment, lorsque Dieu m'a demandé de quitter Kinshasa pour arriver à Goma. Mmh. Je suis allé à Goma, il m'a dit « reste à Goma pendant un moment », parce qu'il ne voulait pas que je reste dans la pression de Kinshasa. Mmh. Je suis allé à Goma et pendant pratiquement 6 mois, c'est pendant cette étape-là, je veux dire 6 à 8 mois, c'est pendant cette période-là que j'ai fait la chanson « Yaya ». Ok, je rentre un pas en arrière. Si je comprends bien, à Kinshasa, vous vivez des fois des pressions qui, énorme, entre guillemets, énorme. Difficile à gérer, énorme, si Dieu vous abandonne. Énorme, énorme. Si tu n'es pas fort mentalement à Kinshasa, tu ne feras pas grand-chose. C'est très difficile de vivre dans une ville comme Kinshasa, où les gens ne savent pas se retenir pour te dire ce qu'ils pensent. Ils te disent tout de suite ce qu'ils pensent, et ils te disent vraiment de la manière la plus brutale parfois. Et c'est pas facile de... Ça vous fait comment, voilà, quand quelqu'un, peut-être, il vous parle de la sorte? Bon, avec le temps, nous avons compris et nous avons pu trouver des stratégies ou des manières de réagir à cela. Mm-hmm. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons qu'une seule façon de réagir à cela. Qu'aurait fait Jésus-Christ à ces genres de personnes, devant ces genres de personnes, devant ces genres de propos? Voilà, donc nous essayons de faire, de rester zen et... Est-ce que ces comportements-là, ça change aussi un moment votre manière de vivre avec les gens? Oui, hein, bien sûr, ça fait que vous vous rétractez un peu, ça fait que vous vous renfermez un tout petit peu. Mais bon, on ne va pas dire qu'il y a... Ce n'est pas de méchant, hein, tout le monde n'est pas... voilà, il y a des personnes qui nous bénissent, il y a des gens que... Voilà, il y a des très très bonnes personnes que nous avons rencontrées sur notre parcours et que nous continuons à rencontrer sur notre parcours, à l'exemple de l'honorable Thierry, vraiment, il y a des bonnes personnes que le Seigneur met sur notre chemin du jour au lendemain. Mais sinon, voilà quoi, il y a certaines personnes qui tiennent à vous rappeler votre passé, voilà ce qu'ils ont fait aussi avec les serviteurs de Dieu, Moïse, exactement, David, exactement, moi je pense que c'est... C'est pas grand chose à mon avis. Et le plus important, c'est faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Je vais quand même poser cette question d'une manière, bien sûr, intelligible. Jusqu'à présent, dans votre parcours, certes, les gens vous rappellent des fois, non, vous étiez dans la musique populaire, patati patata, tout ça. Mais vous n'avez pas encore connu, je peux dire, des vraies secousses au niveau continental où tout le monde en parle, comme vos autres confrères. Est-ce que, on ne sait jamais, ça peut arriver, ça peut pas arriver, avec la pression de Kinshasa, est-ce que ça sera facile pour vous un jour si ça arrivait? Bon, déjà, je voudrais savoir de quoi on parle, parce que je comprends pas. Quand vous dites que je secousse au niveau continental et tout ça... C'est-à-dire, c'est chaque matin, quand on se réveille, on parle de fiston, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux, c'est-à-dire, on s'en emballé. Hein. Par exemple, il y a eu vos confrères qui sont passés par ces moments-là, on a senti que le ciel allait tomber sur la RDC. Par rapport à ce qu'ils ont fait de bien, par rapport à leur carrière... Que ce soit de bien ou de mal, ou mal interprété, bon, par exemple. Je vois où vous voulez en venir. En fait, vous parlez de ces choses qui arrivent négativement. Voilà. Je pense
je pense que par rapport à ça, vous savez, nous ne servons pas le Seigneur parce que nous sommes des perfect persons, yes. parce que nous sommes de parfaits. Non, nous servons le Seigneur parce qu'il nous a choisis malgré nos erreurs. Amen. Et il nous a rendus meilleurs. Vous savez, et c'est triste parfois ce qui arrive à mes frères, mes aînés et ainsi de suite. Mais moi, je ne peux jamais douter de Dieu à cause de ce qui arrive à un serviteur de Dieu. Mm-hmm. Vous savez, c'est un homme, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Mais le plus important, c'est est-ce qu'il s'est relevé? S'il s'est relevé et qu'il a continué dans sa marche. D'ailleurs, plusieurs nous l'ont prouvé. Qu'après qu'ils soient tombés, ils ont continué. Ils n'ont pas eu honte de continuer, de se présenter à des endroits, pas seulement pour s'excuser ou pour pleurer, mais pour servir le Seigneur. Moi, je pense que c'est ça le plus dur. En fait, le plus dur n'est pas de tomber, mais c'est de continuer. Ouais. Est-ce qu'après, ils ont continué? S'ils ont continué, rendons grâce à Dieu, amen, rendons gloire à Dieu. Continuons avec eux, aimons-le peut-être encore plus, parce que ce n'est pas facile. Mm-hmm. Nous croyons que c'est facile. Mais vous savez qu'il y a des familles, il y a des amis, il y a des collègues, il y a ceci, cela. Il y aura une pression énorme autour de vous lorsque vous avez connu un problème comme ça. Mm-hmm. Et vous décidez quand même de vous créer une bulle et continuer à travailler. Okay. Je crois que c'est des personnes à féliciter énormément. Et le Seigneur les a vraiment fait du bien. Si j'entre dans votre façon de voir les choses, mm-hmm, si quelqu'un connaît un moment de réussite, normalement nous devons les soutenir. Il faut tout de suite se relever. On ne marche jamais avec l'intention de tomber un jour. Il ne faut jamais servir Dieu avec l'intention de se dire un jour, il faut qu'on ait un akouéa. Non. Non. Voilà. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 13, la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mm-hmm. Mais si par l'esprit, vous faites vivre les actes de l'esprit, vous vivrez. Mm-hmm. Moi, je pense que le plus important, c'est vivre, mm-hmm, par l'esprit. Et non vivre par la chair. Mm-hmm. C'est ce que nous essayons de faire grâce à Dieu tous les jours. Mm-hmm. Mais si un jour il arrivait qu'un l'un d'entre nous tombe, malheureusement c'est ce qui arrive dans notre pays, on le crucifie tout de suite. Mm-hmm. Mais le plus important, moi je pense que c'est de se relever après et de continuer son chemin. Mais pendant qu'on y est, pendant que rien n'est encore arrivé, prions pour que le Seigneur nous protège et qu'il nous garde à continuer parce que nous sommes des exemples. Mm-hmm. Pour des nations, nous sommes des exemples pour une jeunesse, nous sommes des exemples pour des familles. Alors nous avons l'obligation de marcher de manière intègre. Et ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Allez, voilà. Merci beaucoup. Vous sortez la chanson Surprise. Mm. Est-ce que vous vous attendiez à ce que cette chanson soit une chanson de génération en génération? M'attendre, je vais dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que je considère qu'en tant que serviteur de Dieu, lorsque le Seigneur vous a appelé, que vous êtes sûr de votre appel, vous savez exactement que vous avez été appelé, vous savez que le Seigneur a un plan pour vous. Vous savez que le Seigneur a prévu quelque chose. Et de toutes les façons, à mon cas, ce qui est mon cas, c'est que le Seigneur m'avait promis pas mal de choses. Le Seigneur avait déjà dit cela. Il avait dit que je rendrai ton nom grand, je travaillerai, je serai avec toi. Voilà. Et non, parce que je considère quand même que le Seigneur m'a surpris agréablement parce que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive de cette manière-là. Mm-hmm. Même si je savais que ça allait arriver, je souhaitais, je savais que ça allait arriver. Parce que lorsque vous servez le Seigneur, vous devez savoir que vous irez de gloire en gloire avec lui. Donc, ce qui fait que m'a quand même surpris agréablement aujourd'hui, je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Est-ce que c'est la chanson Surprise qui est maintenant l'emblème ou soit le logo de Fiston Mbuy? Bon, je vais quand même répondre en disant que c'est la chanson Surpris qui présente le mieux le frère Fiston Mbuy. Aujourd'hui, même si avant il y avait la chanson Mon Samba, il y avait la chanson Yaya, il y avait plusieurs autres chansons, mais aujourd'hui c'est la chanson Surpris qui présente le mieux le frère Fiston Mbuy. Qu'est-ce que vous faites avec votre voix? C'est naturel, mmh, ou soit c'est quoi? Un peu mélancolique, un peu de l'harmonie là-dedans. Vous faites quoi avec elle? Merci pour la question. Je pense que la première des choses est que le Seigneur nous a donné un don. Lorsqu'il vous a donné un don, voilà, je pense que cela est suffisant. Plutôt, cela n'est pas suffisant, mais après, il y a l'onction, il y a le feeling du Saint-Esprit qui fait en sorte que vous soyez encore plus exceptionnel. Donc, mm-hmm, le don ne suffit pas. Mais lorsque vous avez déjà un don, voilà, vous saurez l'utiliser. Vous saurez comment utiliser votre voix. Il y a ces gens qui ont une voix qui sèche facilement et d'autres non. Et voilà, donc le Seigneur a déposé en nous
en chacun de nous de manière différente, un talent. Donc moi je pense que le plus important c'est qu'il nous a donné quelque chose qu'on utilise aujourd'hui pour sa gloire. Alors vous avez fait une célébration au niveau de la ville de Kinshasa, c'était Wonderful, c'était un concert payant. Ouais, un concert. Vous vous attendiez que les Kinois allaient venir? Le billet était à 35$ VIP et 20$, prix normal. C'était quand même élevé parce que les gens disaient que c'était quand même élevé. Mais le Seigneur nous a fait du bien. Comme je l'ai dit, il essaie de nous surprendre agréablement. C'est que la salle était vraiment pleine. Les gens sont venus et nous, on a aussi de notre côté, grâce à Dieu et par le Saint-Esprit, assuré, bien fait les choses. Et voilà quoi. Donc, je rends grâce à Dieu pour cet événement, ce concert qui s'est très bien passé à Kinshasa, à Showbiz, le 29 novembre, si je ne me trompe. Et après cela, vous êtes déjà à Lubumbashi. Vous faites encore un autre concert payant. On sent que vous, vous n'êtes pas dans la gratuité. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas être dans la gratuité quand vous avez besoin d'une caméra pour vous filmer. Vous avez besoin d'une caméra, n'est-ce pas? Vous avez besoin de matos, n'est-ce pas? Vous avez besoin des maîtres. Et toutes ces choses, c'est pas la gratuité, ça vous demande de l'argent. Notre objectif, c'est pas l'argent. Mais l'argent nous permet de faire mieux ce travail, de mieux fonctionner. Dans quel sens? Dans le sens où, lorsque vous avez besoin de louer des matos, de faire ces choses-là, de faire venir, parce que j'ai moi-même produit ce concert. Ce concert est produit par Unique Record qui est mon label, mon propre label. C'est-à-dire, et nous sommes venus au nombre de 12 de Kinshasa. Alors faites un peu le calcul de aller-retour billet Kinshasa-Lubumbashi. Je crois que parfois le billet de Kinshasa-Lubumbashi aller-retour est parfois plus cher que le billet d'Afrique du Sud ou d'ailleurs. Donc, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire, nous avons investi des finances pour que 12 personnes quittent Kinshasa et viennent à Lubumbashi. Et après, il n'y a pas eu que ça. Nous devrions louer des taux, des podiums, des micros, de ceci, cela, passer dans des émissions, faire beaucoup de choses. Et nous avions besoin d'argent. Et si nous avons mis un prix, une contribution, c'est pour permettre à ce que nous puissions survenir à quelques besoins. Est-ce que ça après a été le concert? Exactement, le Seigneur nous a quand même fait du bien. Nous a quand même fait du bien. Je me rappelle que le 7, il y a eu pluie, et le 8 aussi. Mais vous savez, lorsque Dieu est décidé à vous faire du bien, rien ne l'arrête. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, hein, vous êtes aussi sur YouTube. Donc, le frère Fiston est là. Donc, vous pouvez poser quelques questions si vous les souhaitez, bien sûr. Alors, nous sommes en train de continuer. Il n'y a pas très longtemps, on a vu votre concert de Kinshasa a été beaucoup plus appuyé par Madjabou Gospel. C'est quoi vos clauses ou soit vos relations, pas avec les individus de Madjabou, mais avec Madjabou Structure? Bon, je vais être très sincère avec vous, c'est que je n'aimerais pas trop parler des sujets là, pour des raisons précises, mais je pense que si je dois répondre à votre question très rapidement, c'est que moi je ne suis pas ambassadeur de Madjabou, vous savez, moi je ne suis pas ambassadeur de Madjabou, je n'ai jamais été ambassadeur de Madjabou d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai été invité en tant que un artiste, c'est-à-dire une sorte de partenariat. Okay. Un artiste congolais qu'on apprécie, qu'on invite pour aussi sensibiliser à sa manière par rapport à la venue de Madjabou. Et c'est exactement ce qui a été fait. Vous avez vu les panneaux à Kinshasa et un peu partout ailleurs. Et voilà, Madjabou, après cela, m'a permis de faire un concert que je n'oublierai jamais. Ça veut dire un spectacle, un concert qui était vraiment à la hauteur, quoi, au niveau des attentes. Et moi, je reste reconnaissant en ce Merci. Cas. Je vous pose quand même une question qui est revenue dans votre live plusieurs fois. Okay. C'est pourquoi vous n'êtes pas ambassadeur? Mais je ne suis pas ambassadeur parce que voilà. Madjabou avait déjà prévu ses ambassadeurs. Et moi, je n'étais pas dans la liste de ceux qui étaient prévus. S'il arrivait que la prochaine édition, vous êtes sélectionné? Mais attendez, du moment que les choses sont claires entre les deux parties, du moment que l'on s'accorde, voilà, la Bible dit, si deux personnes ne s'accordent pas, ça ne sert à rien d'avancer ensemble. C'est la Bible qui le dit. Sauf que yoga n'était beau continuer ensemble. Beaucoup carbone amène un dinga, ma belle. Mais nous comprenons que moi, problème, est-ce qu'il y a un problème? Problème est athée. T'es dans le milieu. Sentir ça moins réticent. Non, même pas. Il y a mon aîné Mike Alambay qui est là. Il y a ma jeune, ma sœur Rosny qui est là. Il y a ma sœur, voilà.
Sandra et Sandra Déborah. Sandra Mboui, Déborah. Des personnes que j'aime. En plus, Batounanga et Penza, donc... Je veux rassurer les gens. Merci. Il n'y a pas de problème entre Fiston Mboui et Madjabou. C'est juste que... Pourquoi j'ai dit au début que je n'aime pas trop... Parce que les gens ont l'impression qu'il y a forcément quelque chose. Oui. En fait... C'est qu'on a fait un concert, mais après ce concert-là n'est pas sorti. On attend que le concours finisse pour que les choses soient bien, bien planifiées. Peut-être qu'après le concert sortira. Mm-hmm. Parce que les gens demandent pourquoi le concert n'est pas sorti et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème entre Peut-être Fiston, c'est tout ça. Non, y a pas Même dans votre live, il y a eu plusieurs questions du genre. Les gens pensent qu'il y a vraiment forcément un problème. Non, il n'y a pas un problème entre Fiston Mboui et Madjabou. Mm-hmm. C'est juste qu'on attend que. Le concours prenne fin. Mais qui bloque concert, parce que les productions des Madjabou se font chaque semaine. Il n'y a pas un problème des producteurs. Pourquoi seulement les concerts traînent? C'est bon, vous moi, ou c'est... Moi, je pense que cette question... je n'ai pas trop de réponses pour cette question. Merci. On va passer pour éviter... Ce que je voudrais par contre dire, c'est que nous attendons que le concert sorte après le concours. Parce que je pense que c'est ça qui prend un peu de temps. Merci. Voilà. Vous êtes aussi à la deuxième édition des Gospel Talent au niveau de la ville de Kolwezi, organisée par l'honorable Thierry Monga. Okay. Vous étiez là et est-ce que ça vous a permis peut-être aussi acquérir d'autres choses, peut-être que vous ne connaissiez pas, ou soit que vous connaissiez, vous aviez ajouté, ou soit c'est un concours qui est passé ou qui s'est passé, tout est passé comme ça. Non, mais sincèrement, moi, je pense que c'était une très très belle expérience. Ici, venir voir les talents qu'il y a ici à Kolwezi, saluté, comme on dit. Donc, j'ai vraiment aimé et ça a permis à ce que je découvre Kolwezi d'une autre manière. Et merci à l'honorable Thierry. Pour l'initiative et on veut d'autres éditions. Merci. On veut que ça continue. La ça troisième continue. Déjà arrive au mois de juillet. Alors ça c'est une bonne ma chose. Question est celle de savoir parce que la ville de Kolwezi quand vous êtes parti il s'était enflammé ici pour dire que vous aviez négocié pour donner le véhicule à une candidate qui ne méritait pas. C'était très chaud ici. Moi je voudrais juste savoir est-ce que vous aviez eu une pression. Il faut avouer que les gens sont compliqués aussi. Faut avouer vraiment que c'est-à-dire, à un moment, les gens, il faut bafanda ba mi le belate, toi, compliqué, mon gros. Bissom, mon gros, toi, compliqué. On ne sait pas parfois ce qu'on veut. Pourquoi je dis ça? Parce que le concours n'était pas à huis clos. Le concours n'était pas un concours où personne n'avait le droit d'accéder. Tout le monde était là. Le public était là. C'est-à-dire, on ne réagissait pas par rapport au public. Nous, on réagissait par rapport aux intervenants. Et on voyait très bien comment les choses évoluaient. Personnellement, de par la manière dont je fais les choses, moi, personnellement, sans parler de qui que ce soit d'autre, je ne peux pas accepter qu'une compétition comme ça, qui va permettre à une ville d'avoir une étoile, d'être manipulée par quelqu'un ou je ne sais pas moi quoi. Il y a eu des débats, d'ailleurs, je vous informe, entre nous, à la dernière minute pour sortir le nom de cette sœur. Il y a eu des débats sérieux, il y a eu des contradictions. C'est ça qui prouve, d'ailleurs, que c'était vraiment vrai. Parce que les gens étaient là. Les gens avaient vu comment chacun évoluait. Et nous, on était tous touchés. Lorsque cette sœur, j'oublie le nom... Joldia, voilà, la petite. Lorsque Joldia touchait le micro pour ouvrir sa bouche pour chanter. On était émotionnés, on ressentait quelque chose. Chacun de nous le ressentait. Et il n'y avait pas que nous, il y avait même le public qui le ressentait. Parce que le public réagissait par rapport à chaque candidat. Et je pense qu'après, nous avons fait le bon choix. Il y avait deux candidats qui étaient contre la sœur, ça veut dire deux juges qui étaient contre la sœur, et trois qui étaient pour la sœur. Et après, les deux se sont ralliés aux trois par rapport à notre discussion à la fin. Ça fait que on a décidé finalement que cette sœur soit la gagnante de cette deuxième édition. Mais après, si elle n'a pas pu assurer, c'est peut-être ça le problème. Les gens se disent, bon, elle a gagné, mais après c'est quoi? Elle fait rien, elle est peut-être nulle part ou elle est... Voilà, ça c'est, je pense que le PDG va s'arranger, l'honorable va s'arranger pour que, elle prenne un peu de l'ampleur, question que les gens... Je voudrais aussi que vous puissiez quand même lancer un message à l'honorable, celui qui est chargé des Gospel Talents. Les gens...
vous, particulièrement, vous allez lancer le message via cette caméra. Les gens disent qu'il a abandonné la deuxième gagnante, mais il est toujours avec la première gagnante. Alors qu'il fallait faire la promotion de la deuxième. Bien que la deuxième, je ne sais pas si vous le connaissez, elle est délicatie. Si vous avez un message... La deuxième ou la première? La deuxième, elle est délicatie. La deuxième, je sais qu'elle est délicatie parce que nous sommes rentrés par là. La première est décolorisée. D'accord. Non, je ne pense pas que ça soit le cas. Je ne pense pas que l'honorable ait fait ça de manière exprès. Mais si j'ai quelque chose à dire, c'est que je vais vraiment demander à l'honorable d'essayer de s'organiser, à l'équipe Tiamar et tout ça, de s'organiser, à l'équipe Gospel Musique, Gospel Talent, de s'organiser de telle en sorte que la sœur soit valorisée à, merci beaucoup. À sa juste valeur. Merci. Alors, vous avez une célébration, qui est un concert que vous allez faire au niveau de la vie des Colosiers. On a beaucoup hésité, c'était au mois d'avril, au mois de mai. Finalement, c'est quel mois maintenant? Là, nous sommes en train de nous arranger avec l'équipe et nous avons proposé nous proposons le mois de juillet et nous allons certainement bientôt annoncer une date vraiment dans les jours qui viennent. Nous allons peut-être même cette semaine qui va commencer, nous allons annoncer une date et nous allons ça va nous permettre de un tout petit peu de commencer la promotion et de venir voir comment est-ce que nous allons célébrer le Seigneur et faire un concert, un grand concert surpris à Kolwezi et permettre au peuple de Dieu de chanter cette chanson Nibala Naza Nango, Kela Si Naza Nango, Maele Naza Nango, Moi Si Naza Naye. Voilà, ça c'est pour vous. Je profite de l'occasion pour vous féliciter. Merci. Parce que je n'étais pas là et saluer maman qui nous regarde, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, peut-être aussi une question, ce n'est pas une question tabou, vous-même vous venez de le dire, mais vous allez quand même répondre. Aujourd'hui, vous avez un nom au niveau continental. Il n'y a pas très longtemps, vous avez gagné un prix, je crois, sur l'Afrique centrale. Exactement. Et c'est facile pour vous de faire un choix pour vous marier? Celui qui va vous dire que c'est facile de faire un choix pour se marier, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre d'ailleurs, d'accord, mais c'est toujours pas facile de faire un choix pour se marier. Bon, moi, je parle d'abord de vous en tant qu'une étoile. Okay, moi, je reviens à la Bible qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On ne trouve pas forcément facilement. C'est-à-dire que pour trouver, il faut chercher. Et pour d'autres, il faut chercher vraiment, profondément. Et voilà quoi. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, le Seigneur nous fera grâce et les gens seront au courant une fois que nous serons engagés. Ma question est toute... je sais que c'est difficile déjà pour tout homme. Vous avez encore une autre pression. J'ai dit que ce n'est pas facile. Je viens de dire que c'est pas facile. C'est tout ça qui vous bloque ou soit Non, ce n'est pas facile. Il n'y a rien qui bloque. Ce qui n'est pas facile, au fait, c'est trouver le bonheur. Parce qu'on se rend compte que... C'est jamais facile de trouver le bonheur. Vous vous baladez, mais non. Non, non, non. Ah, tu veux m'emmener sur ce terrain. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. Donc... ça va finir. Donc voilà, il faut d'abord qu'on ait un processus normal. Il y a courage, il y a amour, il y a nyonso. Bon, je ne veux pas dire il y a amour parce que amour, ça, quand même, l'icondi. Il y a nyonso et zali décision. C'est-à-dire, au cause on a courage, au cause on a motivation, au cause on a la force, au cause on a nyonso. Mais ce qui est décision à zaté, il n'y a rien qui se fera. Donc le problème maintenant, c'est ça. Donc après, pour se décider, il faut se rassurer que nous avons trouvé la bonne personne. Après, ça se fera faire. Moi, je pense que c'est des choses dont on ne devrait même pas beaucoup parler parce que tout ça, nous sommes dans l'obligation de le faire. Les gens mettent la pression ou les gens mettent la pression, non? Donc il faut vraiment que ça la choix à l'âme calmement. Et puis après, que ça la. Ça vous arrive aussi un moment de prier pour ça? Pardon? Ça vous arrive aussi un moment de prier pour ça ou soit vous êtes concentré qui est dans votre carrière? Alors, si ça m'arrive, mais attends. C'est la prière de tout le temps d'ailleurs. Parce que ça détermine beaucoup de choses. Vous savez, dans la vie d'un chrétien, le mariage détermine, je veux même dire tout.
Ça détermine tout. Ça vous change de... Voilà, ça vous met sur les rails, en réalité. Vous étiez peut-être même sur les rails, mais ça vous met encore, ça vous renforce encore plus sur les rails et vous continuez le chemin avec Dieu. Alors, peut-être nous tendons déjà vers la fin, parce qu'on doit, vous libérer. Je voudrais poser la question, la musique, l'allure ou la musique de la RDC. D'abord, je laisse cette question, je reviens. Est-ce que vous vous retrouvez, en termes, quand vous sortez des chansons, vente des disques, ainsi de suite, est-ce que vous vous retrouvez avec la politique de notre pays? La politique de Je ne parle pas de la politique, ministre, patati, je parle de la politique culturelle. Voilà. Au fait, je ne suis pas d'accord avec la politique culturelle de mon pays. Voilà, pendant toutes ces années, 18 ans, voilà. Parce qu'au fait, l'artiste n'avait jamais sa place. Vraiment. Et pourtant, lorsqu'il fallait faire des propagandes, lorsqu'il fallait convaincre le peuple, c'est les artistes qu'on allait chercher. Mais lorsqu'on devait prendre soin de ces artistes, on trouvait des alibis, on trouvait des multiples raisons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que ce gouvernement qui vient d'être mis en place prenne les choses en main par rapport aux artistes. Hier, j'étais très, très content de voir un grand de notre pays faire un concert à Maman Nguébi pour les militaires. Oui. Pour les militaires, vous savez, ça, c'est exactement ce genre de... Et le Premier ministre était là, il y a d'autres personnes qui étaient là, le ministre de communication était là. Et ça, ça fait en sorte que je pense que cette fois-là, ils vont prendre conscience que de la même manière, nous avons toujours besoin de ces gens pour nos fêtes, pour nos célébrations gospel, pour nos célébrations des mariages et ainsi de suite. Et pour, bref, pour tout, nous avons besoin de la musique et ça passe par eux. Prenons soin soin un peu de la musique de notre pays. Voilà, j'étais avec le frère Henri Papa ici. Il a déploré le fait que on n'a pas des contrats avec, par exemple, YouTube, patati par là, ça ne fait pas déjà notre pays d'argent. N'est pas légalisé de manière digitale, quoi. C'est-à-dire, si par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous ne pouvez pas avoir un PayPal Congo. Un PayPal, c'est une plateforme qui permet de payer en ligne, d'acheter en ligne, payer en ligne, mais aussi de récupérer son argent que vous avez vendu en ligne. Donc, ça fait... Désolé, je pense que ça fait mal lorsque nous apprenons que dans un pays comme la RDC, on n'est pas éligible. PayPal n'est pas éligible. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un compte PayPal ici et récupérer ton argent ici à Kinshasa. Ou plutôt, je veux dire ici au Congo, à Kolwezi, à Lubumbashi, ainsi de suite. Il faut passer par quelqu'un qui est en Europe, c'est-à-dire notre pays est encore trop bas. Est-ce que ça joue aussi sur votre sécurité? Ça joue même sur notre développement financier, développement matériel, développement de carrière. Parce que si vous n'avez pas assez de possibilités, vous donnez tellement des choses, mais vous ne recevez pas autant pour construire encore, faire encore mieux. C'est pour ça que les Nigériens nous dépassent aujourd'hui, les Ghanéens nous dépassent, beaucoup de nations nous dépassent. Vous faites beaucoup des millions de vues, ainsi de suite. Le problème n'est pas les millions de vues. Le problème, c'est l'organisation digitale. C'est légaliser, en fait, digitaliser le pays. D'abord, même pas la musique. Qu'est-ce que vous faites de ces millions-là que vous recevez? Ça joue juste sur le plan promotionnel ou ça fait entrer quelque chose? Ça fait entrer quelque chose, évidemment. Ça fait entrer quelque chose, mais n'allez pas vous dire que c'est grand-chose. N'allez pas vous dire que c'est grand-chose. Je veux vous dire décevoir pour dire que même quelqu'un qui a 10 millions de vues n'a pas des millions. Non, c'est à peine, pour peut-être permettre à évoluer d'une certaine manière. N'allez pas vous dire que c'est des millions et des millions, mais ça dépend. Si vous êtes un pays organisé et qu'il y a des publicités, il y a plus de publicités sur vos chaînes YouTube parce que c'est ça, en fait, qui donne un peu plus de possibilités d'avoir l'argent, c'est les publicités. Alors, si votre pays est vraiment reconnu et que vous êtes bien digitalisé et que les choses sont bien faites, il y aura plus de propositions de publicité et cela, ça va faire en sorte que les gens vont vraiment se retrouver. On ne parle que de YouTube d'ailleurs, jusque-là, parce qu'il n'y a pas que YouTube, il y a les plateformes de téléchargement et autres. Il y a plein d'autres choses, mais je pense qu'avec le temps, les choses vont se... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on en arrive là? Déjà, faut avouer que nous pouvons vendre sur les plateformes de téléchargement. Nous arrivons à vendre sur les plateformes de téléchargement, même si pour récupérer l'argent, il faut passer par des mécanismes aussi. Il faut qu'on vous envoie la carte, il y a beaucoup de choses. Mais sinon, je pense que
nous avons l'espoir. Moi, j'ai l'espoir. Je peux le sentir que ce gouvernement est décidé à faire bien les choses. Et surtout qu'il y a un ministre du numérique. Exactement. Espérons que ça pourra aller. Exactement. Mais en attendant, vous vendez comment les CD? Les gens ne payent plus. Les gens n'ont plus les. Bon, les CD, les gens n'ont plus trop la culture. Tout ça. La culture des CD est vraiment perdue dans, pas seulement dans notre pays. Hein. D'ailleurs, les CD n'existent plus dans certains coins du monde. Donc, ça veut dire que les CD, c'est parmi les choses qui vont, d'ici 2 ans, disparaître complètement, 2-3 ans, disparaître complètement, parce que les gens n'ont plus la force de s'acheter un CD. Certes, peut-être parce qu'il n'a pas de radio, il n'a pas de DVD, il n'a pas de voiture. Et ceux qui ont des voitures, c'est généralement eux qui achètent des CD pour écouter dans leur voiture. Mais aujourd'hui, les gens se fient plus au YouTube. Et ainsi que sur les plateformes de téléchargement hein, pour, et sur les voilà sur les médias et ainsi de suite. Voilà, encore quelques minutes seulement. Déjà, on se sépare avec vous. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur Internet. Nous ne saurons pas vraiment aller au-delà parce que vous êtes tellement l'état, tellement coincé. Alors, on est déjà en train de terminer. Si aujourd'hui, en termes de toutes les œuvres que vous avez faites, est-ce que, par exemple, Sokoda, ainsi de suite, vous vous retrouvez aussi? Parce que votre chanson est beaucoup plus chantée dans des mariages, par-ci, par-là. Est-ce que vous vous retrouvez? Non, mais c'est le désordre quand même, quoi. C'est le désordre total. Sokoda, moi, je veux le dire, je n'aurais pas honte de le dire. Moi, je ne sais même pas comment ça se passe. Je ne sais pas par où ça passe. Ça fait peur d'aller là-bas, d'ailleurs, parce que tu sais que si tu vas peut-être là-bas, tu ne sais pas ce qui va arriver, parce qu'on a tellement entendu des choses, et certaines choses ont été confirmées, d'ailleurs. Et moi, je pense qu'ils vont s'améliorer. Je pense que la Sokoda, si je le dis comme ça, c'est parce que j'ai envie qu'ils s'améliorent, que les choses soient bien. Qu'aujourd'hui, les artistes ne soient pas des mendiants seulement, ne soient pas des gens qui disent « Maman, on est tout mis, on est pas chier, nous qu'on a besoin de 1000 dollars, il y a 500 », qu'on ne soit pas en train de tout le temps demander de l'aide. Parce que voilà quoi, nous, par notre propre travail, on ne se retrouve pas. Je pense qu'aujourd'hui, les gens vont mieux faire les choses. Avec l'état de droit, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que chacun saura vraiment revenir sur la marche. Et tous ceux qui ont gagné sur les têtes des artistes morts ou vivants vont peut-être le payer. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Parce qu'ils ont des familles, les artistes ont des familles, et ceci, cela. Ils doivent, au moins, lorsqu'ils font des. C'est pas, vous savez, aller en studio, c'est pas facile. Faire une chanson, non seulement faire une chanson, et sortir cette chanson, prier, se concentrer, faire. Et après que la chanson joue dans les maisons des gens et que les gens soient bénis. Mais malheureusement, nous avons une culture en Afrique ou encore au Congo où il faudra les alophéler. Au Salibongo, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, on a été bénis. Je pense que voilà. Ok, la dernière question. Frère Fiston, ça vous fait quoi si, par exemple, on vous appelle dans une église où aujourd'hui on vous voit, vous musicien gospel, chanter aussi pour le, c'est-à-dire on vous invite chanter pour, par exemple. Je ne dis pas que c'est le cas qu'il y a ici à Colosi, mais j'ai dit on vous invite des fois à chanter, par exemple, pour les anniversaires. C'est devenu très récurrent. Chanter pour, par exemple, au 40e jour de deuil, vous allez pour chanter. Si, par exemple, il y a quelque chose qu'on vous donne, ça va au-delà de vos prérogatives, ou soit c'est normal? Bon, ok. Déjà, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes chantres. Quand j'ai dit nous sommes d'abord serviteurs de Dieu, et parce qu'au fait, ce que nous faisons, c'est servir Dieu, servir le royaume. C'est-à-dire que lorsque vous êtes appelé quelque part, c'est parce que vous avez forcément béni une vie. Et que vous venez sur place, pas pour chanter pour cette personne qui soit morte ou qui fête son anniversaire. D'ailleurs, moi, je suis très clair quand il s'agit de cela. Je ne viens pas pour chanter pour ces gens-là. Oui. Je viens pour... Voilà, remerciez le Seigneur qui vous a célébré avec vous votre année de plus, ou encore rendre grâce à Dieu avec vous, voilà, à côté de vous, et ainsi de suite. Ou encore rendre grâce à Dieu pour avoir, la Bible dit dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu lorsque quelqu'un meurt, vous venez rendre grâce à Dieu et voilà, prier avec la famille, et voilà. C'est dans ce sens-là que nous le faisons parce que nous sommes serviteurs. Nous apportons quelque chose de positif, nous apportons le shalom dans les familles et grâce à ce que le Seigneur a mis en nous. Merci. Par le Saint-Esprit. Mais par contre, je pense que quand il s'agit de ce que nous demandons ou quoi que ce soit, c'est juste une manière de aussi respecter notre
travail, respecter notre voilà quoi, faire en sorte que nous puissions nous améliorer aussi prochainement par rapport à ce travail. Nous venons de tourner l'émission, je crois 30 quelques 40 minutes déjà, là on va terminer, mais vous allez voir que les gens, nos amis sur internet, vont couper juste une partie pour en faire le buzz. Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Ah, ils le font généralement? Généralement. Ah, d'accord, mais bon, qu'ils ne se fatiguent pas, hein, parce que, vous savez, chacun finit par payer ce qu'il sème. Chacun récolte que ce qu'il sème. Ceux qui font du mal aux autres avec l'intention qu'ils ne seront jamais touchés, ils ne vivront jamais la même chose, se trompent. La Bible n'est pas... voilà. Merci. Fax. Merci. Votre message. La Bible n'est pas une fax. C'est-à-dire que lorsque vous sèmez quelque chose, lorsque vous voulez que les mal arrivent aux autres, pour votre plaisir ou pour votre gain, attendez-vous à quelque chose peut-être pire que ça. Merci. Il faut respecter l'œuvre de Dieu, il faut respecter le serviteur de Dieu et essayer de se retenir de temps en temps. Pour ça, monsieur Goyelo Yamabe, c'est pas important. Voilà. Pourquoi je le fais? Pour quel intérêt? Pour en tout cas, et tout ça. Après, toi, tu gagnes quoi? Tu vivras vie, non? Au moins, un peu normal. Moi, je pense que les gens... Merci. Le message de la fin, et puis on vous libère. Le message de la fin, c'est que je rends grâce à Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il nous a donné d'être ici à Kolwezi. Merci. Et je salue tous les peuples de Dieu de Kolwezi. Je salue ici Bananza Mignon Soya Mukili Mobimba. Et je veux chanter joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Thierry. Voilà, donc joyeux anniversaire à l'honorable Thierry et Natiama Mobimba Mbote aujourd'hui. Voilà, nous allons célébrer merci. Pour l'anniversaire de l'honorable, rendre grâce à Dieu pour sa vie, pour ce qu'il fait dans sa vie, et puisque c'est une personne vraiment merveilleuse, c'est une personne qui ne cesse de faire du bien autour de lui, et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Allez, voilà, merci, vous nous aviez suivis de partout, vous nous suivez en ligne sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à laisser le commentaire, je sais que c'est déjà habitué quand on poste une émission, il y a des gens qui font des débats là-bas, faites-les d'une manière pour construire nos vies dans le monde gospel. Le plaisir est partagé, merci à toute cette grande équipe de votre radio, nous rappelons que cette émission a été tournée depuis la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Merci donc à vous. Ciao.